Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog sur la semaine. Nous sommes en voiture avec mes crapouillots et ma maman qui est encore là. Oui, ça fait déjà presque 3 semaines la peau, je la séquestre. Et du coup, je profite d'elle un maximum, comme vous m'avez dit dans mon dernier vlog d'ailleurs. Et mon chéri et mon petit loulou qui dit oui, Titi, parce qu'il pense que je vais le prendre en photo. Oui, mon cœur, je vais montrer après ton beau sourire. D'accord ? Oui, oui, Titi. Et du coup, là, nous partons en direction de la Belgique. Nous allons faire un petit tour pour ma maman, pour aller acheter des cigarettes. Et puis, on verra si on va faire un tour à Action ou pas. On verra selon le comportement de nos crapauds. Hein ? Vous allez être sage ? Maman ! Oui ! Je vois pas. Mais non, tu vois pas. Bon, en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Petite parenthèse make-up, rouge à lèvres stone de MAC qui est vraiment trop beau, c'est un mat comme ça, très très beau. Et sur les yeux, c'est la nouvelle palette de chez Tarte qui est sortie en France là sur Sephora. Je vous en parle dans mon petit haul que je vous mettrai ici s'il est déjà en ligne, mais je pense que oui. Je suis plutôt ravie de la pigmentation, de toute façon je vous ai fait un article sur le blog que je vous mettrai aussi en barre d'infos si ça vous dit. Et sur mes ongles, c'est un vernis Givenchy dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos aussi. Là il commence déjà à s'écailler, ça fait peut-être 4-5 jours que je l'ai, donc je pense que je l'enlèverai ce soir ou demain, on verra, et puis je vous montrerai ma future manicure. Bon allez, on va aller faire un petit tour, je pense à Action. Folie chez Action, j'ai pris un petit masque pour les cuticules comme ça que j'ai jamais vu en France et un masque pour les pieds. Petite gourmandise, vous savez, du maïs grillé comme ça, j'aime bien de temps en temps à 60 centimes. À 99 centimes, des petits Kit Kat, oui, ça c'est la gourmandise qui parle. Ça, je les ai jamais vus dans mon Action en France. Ce sont les tablettes de chocolat un peu style commerce équitable, tout ça aux noisettes, donc pourquoi pas tester. Ces 3 petits carnets de stickers, alors j'en ai déjà acheté 2 ici en France, mais là je les ai trouvés, j'en ai trouvé d'autres modèles en fait, mais que j'avais pas trouvé en France. D'ailleurs je trouve que le Action de Belgique est beaucoup mieux rangé que ceux de France, pourtant à Lille ils sont bien rangés, mais là ils sont encore mieux rangés. Des petites chaussettes pour bébé 3 là que je vais m'empresser de laver et de mettre dans la valise maternité. Un petit baume comme ça à l'aloe vera, donc 92% d'origine naturelle. Après c'est vrai qu'il y a d'autres choses à l'intérieur, mais j'en ai pris un pour tester, c'était à 1,99€, ça c'est une nouveauté je pense. Pour ma fille, un petit accessoire, un petit serre-tête comme ça noir, moi j'aime bien lui acheter des petits serre-têtes là-bas. Et pour finir dans les gourmandises, ces petits gâteaux pour moi et mes enfants. Coucou, on se retrouve aujourd'hui jeudi, mais du coup on a été hier, donc comme je vous l'ai dit à Action, aujourd'hui ce matin j'avais rendez-vous un petit peu à la sage-femme pour un petit cours de préparation à la grossesse pour tout ce qui est poussé pour le moment fatidique. Et du coup là j'ai cuisiné, je voulais vous montrer un petit peu puisque je me suis dit que dans les vlogs ça peut être pas mal aussi de vous montrer les petites choses que je fais, surtout avec mon cookéo parce que je vous montre pas mal sur Insta. D'ailleurs sur Insta en ce moment je vous fais gagner, logiquement ça sera encore possible de le gagner, les livres de Anna Ostrui. Je sais pas si vous connaissez Anna, mais voilà, c'est un auteur, je ne sais pas si on dit une. Un auteur en tout cas qui écrit en fait des livres sur tout ce qui est alimentation. Elle a fait un livre qui est ultra célèbre. Je vous mettrai l'image ici du livre. Je me rappelle plus du titre là, j'ai un trou de mémoire, mais je l'ai dans mon bureau. J'ai déjà lu, voilà. Et du coup, voilà, c'est une ex grosse. Et du coup, elle fait attention parce que c'est vrai que quand on était grosse, eh bien, on a tendance à avoir facilement du poids en trop. Moi, j'ai beau avoir maigri avec la sleeve, et ben. Avec la grossesse, avec des vieilles habitudes qui reviennent, on a tendance à reprendre du poids. Donc
je trouve ça très bien qu'elle fasse plein de livres à ce sujet, ça nous permet d'être en une sorte de communauté un peu comme ça. Et elle a fait des livres qui sont juste top parce que il y a plein de thèmes. Vous avez le livre express, le livre petit budget, le light et le vegan pour celles que ça intéresse. Et c'est vraiment des recettes sympas, originales. Il y a des trucs qu'on connaît, mais il y a des trucs un petit peu plus originales et qui sont super faciles à faire, hyper rapides. Enfin, je vous en ai parlé dans une story spéciale food et puis je vous fais gagner deux de ces quatre livres. À vous de les choisir, vous les recevrez directement chez vous. Donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram si ça vous dit. Et c'est de la collection Larousse. Et d'ailleurs, dans Larousse, il y a un livre que j'utilise tout le temps. C'est le recette inratable au robot cuiseur, comme ça pour tout ce qui est cookie, etc. Et là, j'ai fait une recette. Je vais vous montrer ça. Comme ça, ça vous donnera une idée. Alors moi, je m'y inspire. Soit je fais la même recette, soit je m'inspire de la recette pour en faire une autre. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Là, c'est une de mes recettes favorites dans ce livre-là de Larousse. Donc, les gnocchis aux épinards, je l'ai fait au moins 3-4 fois. Ma mère, elle a beaucoup aimé d'ailleurs quand je l'ai fait. Et là, j'ai fait un peu cette version-là, mais sans épinards et sans gorgonzola. Donc, je vous montre. J'ai fait donc avec les gnocchis des petits légumes en petite julienne, vous voyez. La crème fraîche, j'ai mis un petit peu plus de crème fraîche. Pour remplacer le gorgonzola, je vais y arriver. Et j'ai mis en plus des petites allumettes de dinde. Donc voilà, et on aime beaucoup ce genre de petits plats un peu... c'est assez consistant en revanche, hein. Là, il y en a pour 3 jours. Hein. Tout à l'heure, je vais tenter de faire ma manicure, hein, je vous l'avais dit. Ce week-end, je vous emmènerai avec moi à Paris. J'ai une soirée aussi mardi, une soirée blog, ce qui va être ma dernière soirée blog. Avec ma grossesse et puis après on verra après la grossesse, mais donc voilà, j'essaye de vous emmener un max avec moi pour ce weekly vlog. J'ai fait ma manicure, aïe, et j'ai utilisé comme je vous en ai parlé la dernière fois dans mon vlog, les produits Saliensen, et là j'ai utilisé un petit vernis Chanel que j'ai acheté dans mon dernier haul. Et regardez-moi cette petite merveille. Alors, je suis pas habituée à ce genre de couleur un peu bleu là, bleu gris, un peu jean, mais c'est le Blue Boy de Chanel. Il est trop beau quand même. Le pinceau est pourri, je l'ai déjà dit, mais au bout de deux couches, voilà, il est super opaque et très beau. Maintenant, à voir la tenue. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est vendredi. Ce matin, petit teint avec ma petite routine, ma nouvelle routine Givenchy au niveau du teint. Je suis trop happy. Et au niveau des yeux, c'est la palette Tarte. Elle est dans ma salle de bain, mais vous savez, la Rainforest, la dernière là qui est sortie chez Sephora, la seule qui est sortie pour l'instant chez Sephora. Sur mes lèvres, un nouveau rouge à lèvres de chez Sephora. Vous les avez vu passer, c'est les nouveaux rouges à lèvres. Comme ça, les packaging sont très sympas. C'est une couleur assez nude, c'est la couleur No Regrets, la numéro L21. En revanche, je pensais que j'avais pris une couleur un peu plus... un peu un nude gris, mais pas du tout. En fait, c'est un joli nude rosé. Enfin, vraiment plus qui tire vers le nude, mais là, il paraît rosé peut-être avec la lumière. Un marron nude. Il est très joli, très crémeux, très agréable sur les lèvres. Mais je vous avoue que je m'attendais à une autre couleur, je sais pas pourquoi. Donc, packaging très sympa, comme ça, que j'ai reçu de la part de la marque. Et un petit raisin comme ça. Je préfère largement ce genre de packaging par rapport à ceux qu'ils avaient fait avant, qui étaient un peu en carton. Donc là, je trouve ça très sympa, leur nouvelle collection. Et s'il me plaît bien, j'irai me diriger pour d'autres couleurs. Et j'ai reçu un nouvel anti-cerne, enfin un lot d'anti-cerne, je vais vous le montrer. Mais là, j'ai testé le plus clair, qui est la teinte chamois, faux chamois 323. C'est les anti-cernes comme ça, infaillibles, more than a concealer, donc plus qu'un anti-cerne. Ils ont un embout, je vais vous montrer après, comme les Chape Tape, enfin des gros embouts un peu comme ceux aussi de Makeup Revolution. Je crois que ça devient la tendance. Et alors, il est ultra couvrant. Mais en même temps, il va pas enlever forcément vos effets bleutés. Alors moi, j'en ai un tout petit peu, donc ça va, ça les a couverts. Mais je sais pas encore, j'ai fait une première utilisation. Je sais pas s'il est un peu trop clair pour moi. Pourtant, l'autre teinte, elle m'a l'air un peu trop foncée. Donc je testerai l'autre demain. On verra, mais je vais vous montrer les trois que j'ai reçus. Et j'ai reçu aussi une base matifiante que j'ai pas encore testée en revanche. Donc voilà au niveau des trois infaillibles que j'ai reçus. Donc moi j'ai testé celui-ci qui est vraiment blanc, hein, quasi sur ma peau. Donc un peu trop clair je pense. Je vais tester celui-ci demain, qui est la teinte 330 Pecan. Et il y a une teinte un peu foncée comme ça. J'hésite, est-ce que je vais laisser en contouring, pourquoi pas. J'ai jamais tenté le contouring comme ça foncé. La 338 Miel.
Et la petite base matifiante comme ça, infaillible de chez L'Oréal. Donc je suis contente d'avoir leur dernière nouveauté, parce que ça j'en ai pas mal entendu parler sur YouTube. Donc me faire un avis c'est cool, en plus les antiserums c'est assez simple à tester. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais vous montrer tout de suite l'embout. Vous voyez, il est vraiment énorme, hein. Un peu comme les Shape Tape ou celui ou le concealer de chez Makeup Revolution, c'est dans le même principe. Mais il en met pas trop. Par exemple là il a mis une quantité sur le bout qui suffit pour faire les deux dessous de l'œil. Et si vous avez quelques petits boutons à cacher ou quoi, mais je trouve très très bien au niveau du récit. Enfin, vous savez, pour gérer la quantité de produit, je trouve très très bien. J'ai oublié de vous dire aussi ce matin, je suis trop contente, je vais dans la classe de ma fille. Oui, je vais aller faire la maîtresse dans la classe de ma fille. Non, en fait, je suis juste en mode parent qui vient dans la classe de sa fille pour participer aux ateliers mathématiques. Je sais pas si vous, ben, ça arrive dans vos écoles. Moi, j'avais jamais. J'avais eu envie de faire ça en CP, c'est vrai que j'y avais pensé, mais j'ai jamais eu sauté le pas, on va dire. Et là, pendant 3 jours, dans la classe de ma fille, ils ont décidé de faire ça, donc d'inviter 4 parents chaque jour à venir animer un petit atelier mathématique avec des enfants. Je ne sais pas du tout si j'aurai ma fille avec moi, mais là, dans une demi-heure, je vais partir pour la rejoindre. Mais j'ai hâte de la voir dans son contexte de classe, parce qu'en plus, en étant maîtresse, c'est trop bizarre de pas voir sa fille dans son école. Ou... Enfin voilà, je trouve que c'est assez particulier, mais là, c'est cool de pouvoir la voir dans son petit univers, dans sa petite classe. Elle est trop contente. Espérons qu'elle se tienne bien. Je vous dirai ça après, mais en tout cas, je suis trop ravie d'aller dans sa classe. Et voilà, je suis de retour de la classe de ma fille. Honnêtement, c'était très 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 sympa de l'avoir dans sa classe. Elle était trop mignonne. Je vais lui faire des petits bisous, des petits câlins de temps en temps, mais elle s'est très bien comportée. J'ai pu découvrir tous les camarades de sa classe et tout. C'était très sympathique. Vraiment une très bonne initiative de la maîtresse. Et voilà, c'était vraiment très sympathique. Maintenant, ma mission, maintenant que je suis rentrée, j'aimerais bien repartir chez Action, faire un petit tour, parce que j'aurai du gros scotch pour tous mes colis que j'ai envoyés. Et j'aimerais m'attaquer à ma penderie. Je crois vous en avoir parlé dans une de mes vidéos. Je voudrais faire une vidéo spéciale tri de ma penderie et surtout la réorganiser un petit peu mieux. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, sachant que j'ai un gros bidon, je vais avoir tendance à tout dégager. Je vais voir. Et après, les fringues, comme ça, je les donnerai à ma mère si elle est intéressée. Ou bah, je les mettrai en vente sur Vinted. Hein. Je vous remettrai mon Vinted en barre d'infos ici. De toute façon, c'est Karine Misbou, pas mon Vinted. Il n'y a rien qui change. Donc voilà, allez, let's go pour cette mission. Bon, comme je voulais filmer dans une autre vidéo, j'ai rangé mon petit dressing. Je suis plutôt contente, j'ai trouvé quelques petites boîtes. J'ai fait 2 actions pour trouver les boîtes que je voulais. Mais je vous montre ça dans mon dressing tour, hein, dans mon rangement dressing. Et là, je vais me faire une petite coloration pour cacher un peu mes cheveux blancs. Coucou, aujourd'hui on est samedi, j'ai oublié de vous prendre, aujourd'hui on est samedi soir même. Petit make-up encore avec la Rainforest of the Sea de Tarte, dont je vous ai fait un article sur le blog, bah justement aujourd'hui, cet après-midi, j'ai pris un petit peu de temps pour ça. Ce matin avec ma maman, on est partie dans une brocante qui était dans une salle. Première fois que je fais une brocante en salle, et j'ai fait des merveilles. J'ai trouvé des merveilles, donc je vais vous filmer, je pense, ce soir ou demain, bah, la vidéo, entre guillemets, haul brocante, parce que je trouve que j'ai fait vraiment des belles trouvailles et je veux vous en parler absolument, surtout pour soit les maîtresses, soit pour les mamans. Et bah, là, je vais préparer mon lit parce que j'ai défait, j'ai changé les draps, et je vais préparer ma valise parce que demain, direction Paris. Coucou, vous me retrouvez, on est lundi, je suis à Paris, ma maman m'a déposé hier, j'ai dû lui dire au revoir après 3 semaines avec moi intensif, mais bon, j'ai retrouvé mon papa cette fois-ci, je suis allée voir aujourd'hui mes collègues, je vous reprends, il est 18h, je suis complètement fatiguée, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que je suis venue avec mon crapouillot et il a décidé de pas trop dormir cette nuit. Donc je suis extrêmement crevée de ma tête. J'ai été voir mes collègues ce matin, j'ai vu mes élèves, c'était top. Je sais plus ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été coupée, mais en tout cas, j'étais ravie de retrouver mes élèves, de voir mes collègues, etc. Ça m'a fait du bien et ça m'a manqué un petit peu. J'ai reçu plein de livres à l'école, vous savez, les livres qu'on reçoit par les maisons d'édition pour l'année prochaine, pour un peu feuilleter les nouveautés. Donc là, de la part d'Athée, j'ai eu plein de livres, je vais vous montrer après. Et puis ben voilà, c'était une belle journée. Demain, je vois logiquement ma copine Nini, les folies de Nini, pour voir son bébé. Et puis le soir, je vous envoie dans une soirée bloc, comme je vous l'ai dit, la poulette partie spéciale maman. D'ailleurs, je vous mettrai l'article en barre d'infos s'il est déjà écrit. Et je vous en avais déjà fait un il y a quelques, peut-être 1 ou 2 ans maintenant, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Si toutes les petites merveilles que j'ai reçues, donc de la part d'Atier.
J'ai hâte de découvrir. Il n'y a pas beaucoup de méthodes de lecture. En revanche, ça, c'est bien dommage. Il y a beaucoup, beaucoup de fichiers de maths, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de méthodes de lecture. À part Piloti, il y en a une autre aussi. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs. Y a Léo et Léa. Qui m'a mis là. Il y en avait une autre tout à l'heure, mais je ne sais pas où elle est. Tika quelque chose. Ah bah elle est là. Tika et Théo. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, on est mardi. Je pense que je vais clôturer ce vlog ce soir ou demain quand je serai de retour chez moi. Je ne sais plus ce que je vous ai montré et tout, je suis tellement fatiguée. Donc je suis chez mon papa. Aujourd'hui, j'ai vu ma copine Nini de la chaîne Les Folies des Nini. Et c'était trop sympa de la voir, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vue. Et là j'ai vu son petit crapouillot, Liam, qui a à peine 2 semaines. J'étais trop contente de le voir, il est trop mignon et je me rappelais plus qu'il était si petit. Est-ce que c'est vous êtes comme moi, hein? Mettez un pouce en l'air si c'est le cas, quand vous êtes une maman et que vous vous rappeliez plus à quel point c'était tout microscopique quand ça vient d'arriver au monde. Donc bientôt ça va être mon tour encore une fois. En même temps, ça m'a donné hâte parce qu'il était tout mignon son fils, vraiment tout calme et tout, vraiment adorable. J'espère que le mien sera pareil. Et donc voilà, bon, c'était un plaisir de la voir. J'ai vu aussi en rentrant une de mes collègues, l'ancienne collègue et amie qui est venue me voir chez mon papa. Et puis bah comme je vous l'avais dit, ce soir je vais à une soirée poulette party spéciale maman. Je vais vous filmer ça bien sûr évidemment, hein. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait, l'ambiance et tout. Et je vous écrirai aussi un article sur le blog. Oui, en ce moment je suis à fond dans mon blog parce que j'ai envie un peu de le mettre à jour, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai le lien de mon article s'il est en ligne, ou en tout cas il ne tardera pas. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller zioter les photos, etc. Et puis un petit peu connaître un peu plus sur les marques. Là, je vais essayer de vous montrer un petit avis extérieur comme ça, mais je vais vous mettre tout ça bien sûr sur le blog. Bon, j'ai hâte, ça va me faire une petite soirée sans mon fils. J'espère que ça va aller, il va être gardé par ma belle maman. Et puis demain, retour à Lille. C'était vraiment 3 petits jours, mais intensifs, parce que je voulais voir un maximum de gens, en tout cas ceux qui étaient dispo. Et puis voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve donc, je suis perdue dans les jours. Hier j'étais donc à la poulette party, hier soir je suis rentrée tard, je me suis occupée de mon crapouillot, etc. Bref, chez mon papa. Ce matin nous sommes partis très tôt pour Lille, puisqu'on a pris le bus Paris-Lille pour 3 euros seulement sur Webus, hein, pour celles que ça intéresse. Et du coup, ben, je vous avoue que là, je suis rentrée, je suis claquée. Je pense que je vais même faire une sieste. Je vais vous montrer le poulet bag, en tout cas l'extérieur. Mais si vous voulez voir l'intérieur du poulet bag, je pense que je vous mettrai tout ça sur mon blog. Parce que je vais faire un article sur cette soirée avec plus de détails sur les marques. Parce que je vous ai fait un peu découvrir comme ça en vidéo l'univers, mais vous ne savez pas forcément les caractéristiques de chaque univers. Donc je vous en parlerai sur le blog, je vous mettrai l'article aussi en barre d'infos, et comme ça bah, je vous détaillerai tout ça et tout ce qu'il y a dans le poulet bag. Mais je vais vous montrer un petit aperçu quand même pour vous donner envie. Il est pas mal du tout, en tout cas je suis ravie de cette soirée entre mamans. Ça m'a fait du bien. Je me dis qu'avant mon accouchement, c'était sympa de profiter d'une belle petite soirée. Je suis invitée à Lush, à Lille, à une soirée aussi d'inauguration, mais je crois que je ne pourrais pas y aller puisque c'est genre 5 jours avant mon terme.
Soit j'aurais déjà accouché, soit j'aurais pas encore accouché, mais ça ne serait tardé. Donc bref, j'ai reçu ce matin en revenant donc chez moi la Dégustabox. D'ailleurs, très sympathique, le facteur m'a appelé ce matin pour me demander si j'étais là. Donc je lui ai dit que non, mais que mon mari était là, mais il n'a pas voulu sonner. Il a donc balancé ma Dégustabox dans mon jardin, derrière la grille en fait. Mais bien sûr, à l'intérieur, j'ai cru voir, mais il y a un verre cassé. Et j'espère qu'il n'y a pas de bouteille cassée. J'ai pas l'impression, mais bon, il y avait un verre Leff qui est tout cassé, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, mais bon, voilà, je vous montrerai rapidement l'intérieur de la Dégustabox. Et qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Et après, je clôturerai ce vlog parce que je pense qu'il va faire 20 ans. Vous allez me détester. Alors, faudra me dire d'ailleurs en commentaire si vous aimez bien les longs vlogs ou pas du tout. Je sais que vous êtes nombreux à aimer les longs, d'autres qui préfèrent quand c'est à peu près pas trop court, enfin pas trop long, genre 20 minutes. J'avoue, c'est de plus en plus dur de faire des vlogs plus courts, surtout quand on filme un peu toute la semaine. Donc voilà, j'ai vu mon papa donc pendant 3 jours, j'ai pas eu le temps du tout de filmer avec lui pour qu'il vous fasse un petit coucou. D'ailleurs, il était triste, il m'a demandé si vous m'aviez demandé de ses nouvelles. Mon père est un peu quand même, voyez, il a pris un peu le melon quand même. Hein. Il me demande, il me dit, mais ils m'ont réclamé dans tes vidéos. Alors, je pense qu'il lira vos commentaires, n'hésitez pas à me dire des petites choses si vous voulez revoir mon père ou pas dans mes vlogs. À l'occasion peut-être. Bon, allez, je vous montre ce qu'il y a dans la Dégustabox de ce mois-ci. Comme d'habitude, elle se présente comme ça. Donc j'ai juste regardé pour voir s'il n'y avait pas de casse, de catastrophe. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses catastrophes. Ce mois-ci, pour ceux qui ont une box avec alcool, bah, vous aurez des leffes et vous aurez ce verre-là. Mais du coup, moi, il est tout cassé. Il est là, en fait. Et il n'y a pas besoin que je l'ouvre pour vous dire qu'il est tout cassé, puisque vous entendez comme moi qu'il est tout cassé. J'envoyais quand même un petit message au livreur de Chronopost en lui disant que, bah, il abusait parce que je lui ai demandé si c'était fragile. Je ne savais pas que c'était la Dégustabox. Comme il m'a appelé, je ne savais pas si c'était la Dégustabox. Il m'a demandé si c'était fragile. Je lui ai dit si c'est fragile, vous sonnez, sinon vous le laissez dans le jardin. Sauf qu'il y a écrit partout sur la Dégustabox, là sur le carton, tout autour, il y a écrit fragile. Et vu la taille, il m'a dit c'est un petit colis. Alors, pas du tout. Enfin, il est grave. Hein. Bref, donc à l'intérieur, voici, il y a des petites réductions, ça c'est toujours cool. Et est-ce qu'on a... Ah oui, on a... Là c'est le thème anniversaire. Alors ça tombe bien parce que c'est le mois d'anniversaire de mon mari, le mois de mars. Donc ben, ça serait peut-être une Dégustabox pour lui, ça. Ça servira aussi peut-être pour fêter son anniversaire. Et c'est l'anniversaire de Dégustabox, hein, je précise. C'est je crois leur 4 ans, non? Ouais, Dégustabox fête ses 4 ans. Et il y a du coup, je pense, des petites choses à gagner sur leur compte. Hein. Et les retrouver sur Instagram et tout. Hein. Donc là, on a un petit sac Be Sweet de la marque Melio, un petit sac tote bag. Ça, c'est plutôt cool d'avoir ça dans les box. Moi, j'aime bien les utiliser pour les courses. Donc ça, c'est top. On a des chips au cèpe. Alors, j'aime pas les champignons. Donc ça sera pour mon mari. Ça va, ils n'ont pas l'air trop écrasés. De chez Bretz, normalement, ça c'est une bonne marque. On a des petites compotes Materne, bio, pomme, mangue, grenade. Et je... Ah, on voit qu'il y a une autre catastrophe. Je dirais pas bravo à ce monsieur. Eh bien, donc du sirop de cranberry. Je crois qu'on en avait déjà eu. Là, c'est une version bio. Du coup, là, le couvercle est cassé. Bon, ça va, il est fermé, mais bon. Je pense que avant de l'ouvrir, j'attendrai de récupérer un bouchon comme ça pour l'utiliser. Mais ça c'est plutôt cool. Alors je suis pas hyper fan du sirop de cranberry parce qu'on en a un, il n'était pas top top top. Mais celui-ci pourquoi pas, le sirop de fleur de coco, je ne connais absolument pas. Donc ça je suis contente de découvrir. Donc là on a deux sirops différents et de la marque, mais ben, c'est même pas la même marque parce que là c'est Maple Joe, donc une marque un peu canadienne. La Sunny Life. On va rester dans les gourmandises. On a des madeleines extra moelleuses Ker Cadillac, donc la marque française bretonne. Ça, j'ai hâte de goûter avec plein de morceaux de sucre là. Malteser, c'est la vie, hein. On en parle ou pas? Comment vous dire qu'un paquet de Malteser, c'est juste divin dans une box? Ça, c'est trop mimi. Alors, j'en ai toujours vu partout, mais j'ai jamais acheté ces sortes de pizza avec des bonbons. Je trouve ça trop cute. Oui, c'est mignon l'intérieur. Alors on continue cette fois-ci dans le salé. C'est vrai que là il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses salées à part les chips puisque comme c'est une box anniversaire, je pense qu'ils ont mis des petites choses plus pour les apéros tout ça. Et là on nous a remis un petit produit comme ça, grain de nature, Seed of Change, donc riz complet et quinoa épicé. Donc ça je suis trop contente. J'aime bien ces petits genres de choses un peu faciles à faire.
On passe maintenant aux boissons. Déjà, on a du Capri Sun, au Tropical, comme ça. C'est plutôt cool. Ma fille, elle va le boire sans problème. Après, j'avais bien aimé le fait qu'on en ait eu des bio la dernière fois. Donc là, Capri Sun, pourquoi pas. Je vois qu'ils ont mis un peu plus de jus à l'intérieur, donc c'est peut-être mieux. Il y a peut-être moins de cochonneries à vérifier. Au niveau des boissons en verre, ça va, il n'y a pas eu trop de catastrophes à part le verre, donc comme je l'ai dit, c'est des nouvelles leffes, des leffes de printemps, ils appellent ça. Moi, je vous avoue que je ne bois pas du tout de bière, il y en a trois à l'intérieur pour ceux qui boivent de l'alcool. Moi, je les gardais du coup pour l'anniversaire de mon mari, ses amis les boiront, je pense, en apéro. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des bières, je pense, pour ceux qui sont intéressés par les bières. Et puis pour celles qui n'aiment pas ou ceux qui ne veulent pas d'alcool, il y a donc de la marque Melio, le sac, on l'avait eu donc de cette marque-là, le tote bag. Des petites boissons comme ça qui paraissent au miel et au citron. Mais ça a l'air pas mal. C'est sans arôme, sans conservateur et sans colorant. Donc des sortes de petites boissons de jus en fait. Hein. Donc c'est pas gazeux. Et le deuxième est pareil, sauf qu'il est miel, citron et gingembre. Donc ça c'est plutôt sympa parce que c'est une découverte, je ne connais absolument pas. Voici le sublime tote bag que nous avons eu à la soirée. Donc hier, il est vraiment très beau, c'est pas ma première poulette partie, hein. Vraiment ça fait quelques poulettes parties maintenant que je fais. Je suis toujours fan de ces soirées, je suis ravie à chaque fois de rencontrer Manuela, c'est toujours un plaisir de la découvrir. Je vous invite d'ailleurs à aller la découvrir hein, sur son blog, c'est le poulette blog. Et à l'intérieur, vous voyez, les marques ont été plutôt généreuses. Alors ça c'est autre chose, hein, c'est Lush qui me l'a offert, mais les marques ont été plutôt généreuses. Et dans la partie de mon Instagram, la partie, le petit onglet... partie, justement, je vous montre toutes les photos de ma soirée et je vous parle un petit peu de cette petite chose là qui est une vraie petite merveille. Donc si ça vous dit, je vous invite à aller découvrir donc l'article sur mon blog et de découvrir aussi sur mon Instagram. Voilà pour ce petit vlog, je pense que je vais m'arrêter là parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie que ça dure 25 ans. Je vais faire mes petits calculs parce que ce soir avec mon chéri, on va chez Titatou Ikea pour faire aménager l'armoire de mes crapouillots. Et comme ça, ce sera installé d'ici ce week-end, je pense. Et puis après, on pourra emménager bien leurs vêtements, etc. Donc... Et puis, ben voilà, je vous invite à liker ce petit vlog si ça vous a plu. À me dire, à réagir en commentaire. J'adore, comme d'habitude, vous lire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Souvent le mercredi à 16h30. Et le dimanche à 9h30, je crois. Je ne sais même plus mes horaires de publication, mais alors, en tout cas, le mercredi et le dimanche. Et de temps en temps, le vendredi soir aussi, pour mon plaisir et peut-être le vôtre. Je vous fais des gros bisous. Salut !